Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une story time. Donc je vais vous raconter le jour où j'ai failli me faire enlever. Donc c'est pas très marrant, mais voilà, je vais quand même vous le raconter pour vous montrer comment j'ai réagi. C'était vraiment le jour où j'ai le plus flippé de ma life. Je crois que j'ai jamais eu autant peur, c'est abusé. J'étais donc en soirée et je rentrais. Donc j'étais à vélo, je rentrais parce que... Team no car. Bref, et du coup je rentrais à vélo, j'étais sur la piste cyclable, je roulais normal depuis longtemps. Et là j'étais presque chez moi et là je roule et j'arrive genre à une sorte de croisement, genre on peut rentrer pour aller à une salle de sport et tout. Je vous ai fait un peu de schéma pour illustrer. Du coup moi j'arrive, en gros je suis là, j'arrive comme ça là. Là il y a une voiture qui vient, du coup je dis vas-y je m'arrête, je le laisse passer tu vois. Et donc la voiture je vois qu'elle s'arrête. Du coup je me dis bon ça va, il est gentil, il me laisse passer, du coup moi je passe. Et d'un coup je vois des phares qui viennent dans ma direction. Je vois devant moi s'éclairer et en fait la voiture elle avait tourné dans le truc, dans la piste cyclable. Alors que là il y avait un terre-plein, genre vraiment pour dire que les voitures vous pouvez pas y aller. Genre enfin elles pouvaient pas se tromper. Du coup moi je me suis dit bon c'est bizarre déjà, ils commencent à me suivre et tout. Et juste là, juste à côté il y a genre un tunnel. Genre un petit tunnel ou enfin vraiment très petit où il y a que les vélos et les scooters qui passent quoi. Et là la voiture elle me suit encore en dessous et tout. Et du coup moi je me dis mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle fait ça, pourquoi elle me suit, enfin voilà. Du coup juste derrière ce tunnel il y avait le KFC en fait. Et du coup je me dis bon vas-y je m'arrête au KFC parce que j'étais en train de flipper, j'étais en train de me dire pourquoi elle me suit. Déjà il y a un terre-plein, après il y a le tunnel mais il force à vouloir suivre enfin. Il n'y avait personne autour, tu vois, il n'y avait vraiment rien. Et du coup, je me dis, me suis, c'est pas possible. Du coup, je m'arrête au KFC, je me dis, bon, s'il continue sa route et tout, c'est qu'il s'est trompé. Ok, c'est pas grave, je repartirai. Mais du coup, je me pose, il roule, donc il retourne sur la route. Et il roule et il va comme pour entrer dans le parking du KFC. Du coup, je me dis, ah bah peut-être qu'il savait pas comment rentrer au KFC, il pensait que c'était là. Et du coup, il est passé là, tu vois. Je me suis dit, ok, j'observais un peu, tu vois, j'étais sneaky, sneaky girl. Du coup, je le vois se garer et là, je regarde, j'attends genre 2 minutes et tout. Et je le vois, il sort toujours pas. Alors je me dis, c'est bizarre quand même, il se gare mais il sort pas, qu'est-ce qu'il fait? Je me dis, mais il veut pas aller au KFC et tout. Enfin, je me suis dit, peut-être qu'il va acheter un truc et tout. Et du coup, voilà, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, il sort toujours pas. J'ai fait, bon, ok, tant pis, je reste ici, j'appelle ma mère. Et je lui dis de venir me chercher, quoi, parce que je voulais pas repartir, parce qu'en fait, je devais encore passer par une rue où il y a vraiment, mais vraiment personne, genre il y a des rails abandonnés, il y a vraiment personne, c'est dans le noir, il n'y a pas de lumière ni rien, enfin je me suis dit vas-y c'est mort, je passe même pas par là. J'avais un peu peur, j'appelle ma mère, je lui dis maman, faut que tu viennes me chercher, je sais pas, il y a un gars qui m'a suivi, j'ai trop peur quoi. Et du coup je lui dis vas-y je suis avec le vélo, donc je me cache les sièges de la voiture en mode couché comme ça. Je mets vite fait le vélo dans le coffre et on se casse vite, genre tu viens me chercher dans le drive. J'ai attendu au moins ouais, 30 minutes comme ça. Et donc là ma mère elle arrive, elle vient dans le drive, il n'y avait personne qui venait dans le drive, on est bien d'accord. Vraiment personne, enfin ça faisait au moins 30 minutes que j'étais là, il n'y avait aucune voiture qui était venue dans le drive. Hein. Ma mère, eh ben, elle s'arrête dans le drive, moi je mets vite fait mon vélo, je ferme le coffre et juste quand je rentre dans la voiture, je lâche un petit regard derrière parce que je vois des phares qui arrivent, je me dis bon, peut-être quelqu'un qui vient dans le drive. Et là je vois que c'est la personne qui me suit depuis avant. Enfin, j'ai eu trop rêve, j'ai dit vas-y maman démarre et tout. J'étais vraiment en stress total, j'ai dit vas-y tu te rages, je m'en bats les couilles. Tu traces jusqu'à la maison, tu te dépêches, je regardais que dans les rétros pour voir s'ils nous suivaient pas, je voulais pas qu'ils sachent où j'habite et tout. Du coup, oh my god, j'ai trop flippé, c'était vraiment le plus gros flip de ma vie quoi, j'ai eu vraiment peur. Je me suis dit heureusement qu'il y avait le KFC à côté parce que peut-être que sinon je serais même pas là pour vous le raconter cette histoire. Hein. Ça vous arrive un jour, si vous avez un, ne serait-ce qu'un doute, n'hésitez pas à vous poser quelque part là où il y a des gens. Sinon vous demandez à quelqu'un, vous n'hésitez pas hein. N'hésitez pas, les gens ils vont pas vous remballer si vous avez vraiment peur et quoi, n'hésitez pas à aller demander à quelqu'un, vous lui expliquez la situation, vous lui dites nanana me suit, nanana. Voilà, c'est tout pour ma story time. Je suis pas très très forte pour raconter les histoires, c'était un peu rapide je pense, mais bon. Je vous ai même fait un petit schéma, donc rien que pour le petit schéma, vous avez le droit de mettre un like. Hein. Parce que c'est de grand artisanat hein, carrément. Sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis... À une prochaine. La fin chelou.